Salut tout le monde, ici le Ch'ti Player et bienvenue dans le 4e épisode du Let's Play de Crash Bandicoot sur PlayStation. Bon, alors on se retrouve après une légère absence d'une semaine due à quelques nouveaux problèmes administratifs encore à cause de gens qui font des conneries, des grosses conneries, je n'en dirai pas plus. Donc, nous sommes de retour donc après cette petite semaine d'absence, après avoir terminé l'épisode précédent sur ce niveau Road to Nowhere, on avait fait Temple Ruins, The Lost City et Reaperoo le boss. Alors, on m'a indiqué la caisse manquante dans ce niveau et c'est vraiment n'importe quoi pour la peine. Qu'est-ce qui s'est passé? Il vient de se passer un drôle de truc dans le son. Pour la peine, je vais y aller. Ah ouais, putain, non mais vous êtes sérieux les mecs. En fait, quand je suis arrivé ici à cette première tentative, j'ai fait une tornade en arrivant comme ça sur le côté et ça a cassé les deux caisses et en fait je n'avais pas vu que celle qui est derrière, c'est une caisse flèche. Je n'avais pas vu. Et regardez. Non mais sérieux, regardez, on la voit à peine. Et enfin, en même temps, vous inquiétez pas, dans le jeu, il y en a plein de trucs comme ça. Enfin, je veux dire, c'est vraiment n'importe quoi. Enfin bref, donc on refera ça, ce niveau, on le refera plus tard. Au moins comme ça, j'ai bien pu voir le problème qu'il y a eu. Donc on va reprendre la suite du jeu avec Boulder Dash. Alors vous vous doutez un petit peu de ce qui va se passer dans ce niveau. Je vais un peu baisser le son sur le casque parce qu'encore une fois, c'est limite si je m'entends quoi. Limite si je m'entends. D'accord, ça commence bien. Mais non, mais c'est quoi cette arnaque? Je précise que notre ami Crash, il s'est mis à côté de la caisse tout seul. Je ne touchais plus aux touches fléchées. Bon, ça va, niveau vie, ça devrait aller. Bon. Bah, vous en doutiez, hein. On va de nouveau se faire poursuivre par le rocher. Donc, bah, c'est parti. Et effet qui nouvel effet qui se coule, je ne pourrai pas avoir le diamant dans ce passage. Et parce qu'encore une fois, il y a une gemme de couleur. Un diamant de couleur, pardon. Alors attention, c'est merde, j'ai fait le con, j'ai appuyé sur la touche de la tornade en même temps, sans vouloir. Bon, pour l'instant, tout se passe pour le mieux. Par contre, petit truc que je remarque, c'est que dans ce niveau, il n'y a pas de tête de Tona, donc autrement dit, pas de niveau bonus. Qui me permettrait éventuellement de sauvegarder. Parce que là, je rappelle quand même que le système de sauvegarde est tellement pourri dans ce jeu, que ça fait quand même... Mais le masque m'a même pas protégé, non mais à quoi il sert, sérieux? Bon bah du coup, vu que je peux pas avoir le diamant, on continue comme ça, hein. Je m'embête pas. Par contre, je suis en train de faire n'importe quoi avec ma croix directionnelle. Mais c'est pas grave, vous avez l'habitude de toute façon. Continue, donc j'ai quand même essayé de me concentrer un petit peu et d'arrêter de faire le con. Je veux dire, ça faisait un petit moment que j'étais pas trop... En fait, je dis ça, non, ça fait pas un petit moment que je suis pas mort, ça fait longtemps que je suis pas mort. Non, mais sérieux, je repense au premier épisode où, franchement, à part le premier niveau où j'ai perdu quelques vies parce que j'essayais de vous expliquer que du coup je faisais n'importe quoi. Sinon, en réalité, dans le premier épisode, je suis pas mort, quoi. Ensuite, au deuxième épisode, ça a commencé. Et puis bah l'épisode 3, c'est-à-dire le précédent, bah, j'ai vraiment fait n'importe quoi, on peut le dire. Et j'imagine que la plupart d'entre vous doivent en ce moment s'éclater à me voir mourir comme ça, comme un idiot. Ah, je vais croire que la fin elle allait être là, vous voyez. Ah, ici, elle est longue cette séquence-là. Regardez, vous voyez, quand je parle pas trop, mais je... J'ai eu de la chance, j'avais sauté tellement tôt que j'étais persuadé que j'allais tomber dans le trou. Là, regardez, vous l'avez vu le diamant. Vous avez vu le diamant qui m'empêche, qui pour l'instant m'empêche d'atteindre les caisses manquantes. Il est passé par ici, il repassera par là. Bon, bah direction la carte, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Rien d'autre à dire sur ce niveau pour l'instant, hein, puisqu'il faut obligatoirement que j'ai le diamant rose pour pouvoir le compléter à 100%. Donc... Nous voici pour le niveau suivant, donc presque la fin, regardez, c'est presque la fin de la deuxième île. La deuxième île est très courte à comparer aux deux autres. Donc c'est parti pour Sunset Vista. Évidemment, Vista, ça rappellera quelques déçus de chez Microsoft. Un petit niveau qui vous rappelle quelque chose. On est dans la fameuse cité en ruine qu'on retrouvait dans The Lost City.
Alors je vais essayer de pas trop faire de la merde parce que... Le merde, putain, je sais pas ce que dire. Le diamant, on peut l'avoir. Et il me semble, si je ne fais pas erreur, que c'est un diamant coloré que nous pouvons avoir dans ce niveau. Parce que pour les diamants colorés dans Crash 1, contrairement aux autres Crash, il n'y a pas une zone secrète où vous pourrez aller le choper. En fait, les diamants de couleur sont... Alors franchement, le coup que j'ai réussi pour ne pas mourir... Donc les diamants de couleur dans Crash 1, ils peuvent être chopés de la même manière que les diamants pour les caisses, quoi. Il n'y a vraiment absolument pas le concept des... Le concept des zones secrètes pour gagner des diamants en plus. C'est vraiment uniquement sur récupération de toutes les caisses d'un niveau. Alors aussi, dans ce niveau... On va pouvoir voir le troisième et dernier type de niveau bonus. Donc autrement dit, le troisième personnage qui illustre ces niveaux bonus. Oh putain, mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh, je suis pas mort. Oh, j'ai eu la chance. En même temps, ceci qu'on voit là n'est que le premier checkpoint. Donc si j'étais mort là, ça aurait pas été grave. Parce que tant qu'à faire, si je pouvais l'avoir, ce diamant coloré, ça m'arrangerait. Pour vous montrer que pour une fois je peux réussir à pas crever. Parce que sinon si je dois passer le... Enfin je veux dire si je dois refaire la fin de ce let's play, si je dois refaire tous les niveaux du jeu pour avoir mes... Les diamants manquants, ça va pas être drôle. Ah ici ce passage là. Ah c'est quelque chose. Il faut obligatoirement le faire avec le... Enfin... Non, j'imagine qu'en fait sans les sauts c'est peut-être pas 100% obligatoire de le faire avec les sauts, mais personnellement je vois qu'il y a que comme ça que j'y arrive. Alors voilà, je viens dans ce fond de... Enfin dans ce fond de couloir. Parce qu'il y a un masque qui était... Il y avait un masque planqué, il n'y a pas de caisse mais... Ouh, j'ai réussi à pas... Alors ici il va falloir bien jouer le timing. Voilà, pour l'instant ça se passe bien. Oh, reste pas là. Alors ici je vais attendre le passage des chauves-souris. Je vais tuer celle-là. Je reviens ici parce que le lézard revient. Et il me semble que le lézard, il faut que je lui saute dessus. Ici. Pas du tout. Bon bah au moins ça m'aura permis de passer au-dessus des murs qui veulent me pousser. C'est pas plus mal. Alors il faut ici, il faut que j'étudie le pattern. Ok. Donc le premier étage. Oh merde. J'ai voulu aller trop vite. Alors oui, cette plateforme là se rétracte quand on pose des pieds dessus. Donc il faut vraiment calculer le timing avec les autres. Mais j'ai encore fait la connerie. Oh je te jure. Bon au moins tant que c'est cette connerie là, ça ne me tue pas. Donc voilà, impeccable. Non, il n'y a pas de caisse. Ici le timing est un peu... Dans cette plateforme là ça ne se rétracte pas. Le timing de cette plateforme là est serré puisqu'il faut vraiment sauter au... Oh merde. Heureusement que j'avais les masques. Voilà. Oh, je suis allé un peu vite mais c'est passé. J'ai eu la chance. Alors on va choper... Oh, la perspective elle est un peu bizarre là, on dirait que Crash est dans le mur là. À première tête de Tona. Ça peut toujours servir. Alors ici elle se rétracte pas la plateforme, donc je peux rester là. Là c'est vrai qu'on voit, on voit un petit peu les petits défauts de la 3D de l'époque. Hein. Il y a quelques petits problèmes de... Enfin, il y a quelques légers problèmes de perspective, mais bon, on est en 96, début de la 3D, donc c'est pardonnable. Là franchement, les quelques petits défauts visuels au niveau de la perspective, c'est pardonnable par rapport à l'époque du jeu. Quoi. Regardez, là on a l'impression qu'on a moitié à travers le sol. Passer. Alors ici la plateforme va se rétracter, donc vite fait on se pose au milieu. Alors je suppose qu'à ces plateformes là vous l'avez compris hein, c'est une espèce de balance hein, donc il faut vous mettre au milieu pour pas vous faire éjecter quoi. Un checkpoint planqué dans le fond.
Rien au-dessus. Ça valait toujours la peine de vérifier. Oh putain, ce passage-là est chaud. Non, sérieux, ce passage-là, il est dur. Là, franchement, j'aurais pu y aller, là. Vous voyez le pattern qui vient de passer, j'aurais pu y aller. Putain, je viens de me faire peur tout seul, mais je suis passé. Ah non, franchement, je tiens à rester en vie. Alors, masque numéro 2. Bah bon, pour l'instant, là, je suis protégé par un double masque. Donc le truc, c'est surtout pas tomber. Surtout pas tomber dans un trou, surtout ça. Tuons la première chauve-souris, attendons le passage. Bon là c'est rapide là. Voilà. Comme ça on est tranquille. Celle-là ne se rétracte pas, c'est bon. Faut vraiment être observateur entre les plateformes qui se rétractent et celles qui ne se rétractent pas. Je sais pas si c'est vraiment la peine de continuer à faire ces caisses en boucle, puisque j'ai quand même 77 vies. Mais ça nous fait quand même perdre un sacré temps de sauter 10 fois en suivant sur ces caisses à la con. Ça j'en étais sûr. Ça, ce coup-là, ça m'arrive à chaque fois. A chaque fois, ça m'arrive celui-là. Hop, voilà, c'est bon, cette fois-ci, j'ai pu monter. Ici, tout va bien. Oh merde, merde. Le passage un petit peu chaud chaud, mais ça passe. On va vraiment bien calculer le timing. Voilà, cette fois-ci je suis passé. Ah, vous voyez, il y a un petit interrupteur là-haut. Il y a un masque, lol. Le masque qui va me rendre invincible puisque j'en ai déjà deux. Donc on va faire venir le lézard rouge. Voilà. On fait donc apparaître les caisses. Donc le masque pour l'instant je vais pas le prendre. C'est pas utile de me rendre invincible maintenant. Et voilà. Nous avons le troisième type de visage. Celui de Cortex. Donc trois visages de Cortex nous donneront accès à un niveau bonus spécial où on aura un petit quelque chose à ramasser si on le réussit. Bah maintenant je vais peut-être le prendre le masque. Je suis bête. Ouais par contre là, la perspective en étant derrière c'est... Enfin, c'est même pas un problème de perspective. C'est bon, je l'ai eu. En plus, c'est vicelard parce que regardez le... je l'avais senti venir ce coup-là. Ouais. Quoi, merde. Bah, c'est pas la peine que je me précipite, hein, puisque de toute façon... Alors, elles vont par 4 à chaque fois, hein, donc c'est... Voilà. Non. Oh, oh putain. Oh la vache. Là vous savez quoi en fait, j'ai été poussé vers l'avant du tableau parce que le mur se rétractait quand j'étais en train de passer. Enfin se sortait plutôt. Quand je suis passé dessus, j'ai failli tomber dans le vide devant le décor, vous imaginez. Putain, je viens d'avoir une sacrée chance. Voilà, tout va bien. Ah bah on va encore avoir le troisième masque. Pour l'instant tout se passe pour le mieux. Et j'ai quand même ramassé la deuxième tête de Cortex en route. Alors vous avez vu qu'il fallait rebondir sur les deux caisses hein, qui étaient en escalier. Sinon on n'aurait pas pu avoir cette seconde tête de Cortex. Et on se serait fait... Ben, c'est un peu vulgaire de le dire mais je dis quand même on aurait pu se faire niquer. Oh putain, avance pas. Non, tant pis pour l'invincibilité, faut vraiment pas que je fasse de conneries quoi. Alors attention ici. Attention à pas mourir écrasé par la caisse de métal. Ça serait con sinon. Alors ici, vous voyez que c'était vraiment des sauts très chauds alors. Tant pis, je veux dire je patiente, tant pis pour les invincibilités, parce que si je tombe dans un trou, mon invincibilité me sert à rien, donc. Voilà. Faut vraiment y aller de manière la plus calme possible. Parce que sinon, là le renforcement est là. Et c'est là qu'on va trouver la troisième tête de Cortex. Si je fais pas erreur. Ouais c'est ça, elle est là.
Bon, concentration maximale. Parce que si je le loupe, c'est mort. Alors nous voici dans un nouveau décor, évidemment. Le décor qui rappelle un petit peu le château qu'on avait vu dans l'introduction. Bon, allez, c'est parti. Ouais! Oh, oh putain! Et voilà, Cortex apparaît et nous récupérons un objet que vous avez à peine pu voir. Enfin, je pense que vous vous en doutez, hein. Et oui, nous venons de choper une clé! Et cette clé nous donne le droit de sauvegarder. Oh, l'écho sur le bruitage d'appuyer sur les touches là. Très étrange. Par contre, cette sauvegarde de clé a le même inconvénient que la sauvegarde par Tona. Hein. C'est-à-dire que si maintenant que c'est sauvegardé, je viens quitter le jeu, on est obligé de recommencer le niveau dans lequel on est depuis le départ. Hein. Malgré le fait qu'on a la clé. Bon. Maintenant qu'on est là, la difficulté, ça va être de sortir de ce renfoncement. Parce que ça paraît pas, mais sortir de là où on est, ma cache. Parce que, bon, c'est faisable de sauter directement vers la plateforme à droite, mais c'est quand même coton. Donc le plus simple, c'est de faire comme ça, de laisser faire le tour. Bon, ça va, j'ai bien réussi mon coup. Allez, je reste concentré parce que c'est presque la fin. D'ailleurs... Voilà la troisième tête de Tona. Ah putain. Oh merde. Allez, on se barre. Bon, en fait c'est super facile. Allez, 84 vies, 43% de complétion. C'est pas mal. Allez, on remet à jour la sauvegarde qui est toujours inutile de faire, je rappelle. Non mais c'est quand même absolument génial dans ce jeu, le concept de la sauvegarde qui ne sert à rien, quoi. Pardon. Bon, dernière phase. Concentration. Je vais peut-être me remettre un peu vers le fond parce que j'ai remarqué que j'étais très au bord là. Ça se rétracte pas. Alors ici il va y avoir des espèces de... Voilà, une série de ces trucs là. Ces plateformes qui tournent. Sauf qu'il n'y a pas toujours le même nombre. Oh, joli. Checkpoint. Vous avez vu là, le rythme est plus soutenu. Voilà. Donc nous sommes dans la dernière ligne droite, donc il ne faut surtout pas que je meure. Je l'aurais vraiment verte si ça arrivait. Ah bah d'accord, là voilà. Alors toi, tu vas mourir. Oh ouais. Alors tant pis pour les pommes dans les... Pour les 10 pommes dans les caisses rebondissantes, hein. On va pas passer notre temps à ça. Voilà. Voilà, cette fois-ci on peut dire on est ok. Parce que comme il restait un dernier saut pour atteindre le téléporteur, on aurait encore pu mourir, il y aurait encore eu moyen. D'accord, ce n'était pas le diamant vert. D'accord, je crois que le diamant vert c'était dans le premier. C'était dans The Lost City, je crois, le vert en fait. Bon, c'est pas grave, ça me fait quand même un diamant en plus. Et surtout, on a récupéré la clé. Donc comme ça, ce niveau, on n'aura plus à y revenir. Alors vous allez voir un truc un peu bizarre pour la clé. Puisque je vais pouvoir vous montrer maintenant sur la carte ce que ça provoque. Le fait qu'on a récupéré la clé. Donc, là, Crash avance tout seul jusqu'au niveau de Koala Kong. En fait, c'était un combat de boss, c'est le troisième. Sauf que regardez, si je reviens en arrière, là, bizarrement, sur Sunset Vista, il me marque pas que j'ai la clé. Pourtant, voilà, il me marque le diamant et pas la clé. Et bizarrement, si je me mets sur le niveau d'avant, bah, la clé, elle se met sur le niveau d'avant. Donc, je sais pas, étrange comme truc. Et la clé, en fait, déverrouiller le petit niveau que vous voyez dans le fond, le niveau de Whole Hog. Alors du coup, on a combien? On a 20 minutes. Eh ben, j'y vais. Whole Hog.
Eh oui, c'est le retour de notre ami le facochère avec un angle un peu bizarre. Donc même genre de niveau que la première fois, sauf que là je me souviens pas vraiment du pattern par cœur. Évidemment, il y a toujours le même inconvénient. Non mais sérieux, c'est quoi cette mort de merde? C'est quoi ce bug surtout? Alors j'ai quand même essayé d'avoir le diamant parce que comme c'est un niveau secret, y a rien derrière. C'est-à-dire que le seul fait de finir le niveau sans avoir le diamant, bah, ça sert à rien. Mais merde. Ah non, je l'ai eu quand même. Il y a eu une espèce de bug très étrange. Voilà. En fait, il faut maintenir le bouton de saut en même temps que vous êtes en l'air, sinon, sinon vous heurtez le bord. Et c'est moi, il me l'a pas donné la caisse. Mais c'est quoi ces bugs? J'ai pas encore eu de checkpoint, je crois. Ah, le premier niveau de facochère, franchement, je me suis habitué, mais celui-là, c'est encore fail au mètre au maximum. Voilà, c'est bon, cette fois-ci, j'ai la caisse. Alors, vous avez vu que les tambours nous font pas seulement sauter au-dessus de... Voilà, c'est bon, cette fois-ci, j'ai vu toutes les caisses se casser. Et celui-là, faut sauter. Premier checkpoint. Donc à partir de maintenant, si je viens à mourir, plus possibilité de diamant. Donc autrement dit, c'est la même si jamais je ne joue qu'une. Yes! Regardez-moi les enchaînements qui me mettent. Oh putain, celui-là il était pas mal. Mais lol! Et j'ai réussi! Comme quoi, je suis pas si mauvais, franchement. Allez, cinquième diamant. Ouais. Allez, sauvegarde à nouveau. Voilà. Donc revenons à la carte. Ça aurait été rapide quand même. Non, franchement, le niveau de facochère, quand on commence à connaître un petit peu, c'est pas si dur que ça. Hein. C'est vrai que au tout début que j'ai eu ces niveaux de facochère entre les mains, faut savoir que Crash Bandicoot 1, j'y ai joué après. En fait, je les ai joués dans le désordre. C'est-à-dire que j'ai joué d'abord au 3, puis j'ai joué au 2, puis après j'ai joué à celui-là. Donc quand j'étais habitué au niveau sur le tigre et le niveau sur l'ours polaire, quand je suis arrivé avec le facochère, je me suis dit putain, ça va vite. Mais franchement, une fois qu'on est habitué, ça passe crème quoi. Pardon. Bon. Allez, vu qu'on a 23 minutes, on va donc se faire le troisième boss du jeu, Koala Kang. Alors vous allez voir, franchement, il est pas très dur. Franchement, c'est pas dur. Alors regardez, Monsieur Muscle est face à nous. Donc vous allez voir, le début est facile. Il prend des... voilà, des... Mais lol ! J'essaie de vous expliquer la facilité du boss et je me fais toucher ! Ouais ! Putain, mais sans blague, je vois le micro qui sature. Pourtant, je suis vraiment arrangé au niveau du réglage pour que ce soit faible. Alors attention à cette grosse pierre qui nous envoie. Faut surtout pas qu'elle... Alors j'attends que le wagon passe. Et boum. Ah oui, en fait, j'allais expliquer que les premiers qui nous envoient, on peut soit l'éviter, soit faire une tornade pour le détruire. Vous remarquez également qu'il y a des caisses. Mais putain, j'ai encore... Pourquoi j'ai encore été fait toucher? Merde. Vous remarquez les caisses de TNT qui apparaissent. Alors quand c'est un comme ça, vous pouvez pas le détruire avec la tornade, donc vous devez impérativement l'esquiver. Lol. Alors attention aussi à pas aller vers le fond du décor parce que sinon vous mourrez grillé. Mais quel idiot! Là c'est vraiment de ma faute. Bon, maintenant que j'ai fini de vous expliquer tout ça à peu près, je crois que vous avez même pas compris la moitié de ce que j'ai dit. Mais lol! C'est quoi ce bug? Non, non, attends, une fois ou deux, je veux bien, mais au bout de la troisième fois, là, je suis pas d'accord. Non, mais la dernière fois, j'ai joué pour moi sur console, j'ai eu aucun problème. Je vous ai fait le boss en une seule vie, quoi. Alors attention, évidemment, parce que les TNT vous pètent pas à la gueule. Comme il m'est arrivé il y a quelques secondes. Sinon, après... Après, quand je vais arrêter de me faire toucher, enfin de me faire soi-disant toucher, devrais-je dire, on devrait peut-être arriver à nos fins.
Alors à partir de maintenant, attention parce que les TNT vont apparaître par deux. Allez là, vous allez voir, vous voyez celle-là qui est à droite? Eh ben il y en a une qui apparaît au milieu au dernier moment. Et en plus, la portée de l'explosion de la première détruit la deuxième. Ok, je suis con. C'est entièrement de ma faute ça. Hop. Bon, il va falloir faire très attention parce que je n'ai plus de masque. Je me mets là. Là, il y en a une qui apparaît au milieu. J'attends qu'elle explose. Et voilà, maintenant je n'ai plus qu'à terminer le combat. Ouais! Eh ben, j'ai plutôt bien joué cette fois. Voilà, on n'a pas trop failé. Et voilà, j'accède à la troisième île avec son premier niveau, Heavy Machine et lui. Bon, par contre, je vois le timer et je pense que nous allons nous arrêter là pour cet épisode. Voilà, donc je vais quand même revenir. Non, ça va, franchement, on n'a pas fait un si mauvais épisode. Je veux dire, on a fait, on a chopé deux diamants, la première clé et on a fait un boss. Bon, franchement, ça va, quoi. Et j'ai perdu quoi? J'ai peut-être perdu 4 vies à tout casser. Non, franchement, ça va. Donc, voilà, on va pouvoir donc s'arrêter là-dessus. C'est déjà pas mal. Bon, alors du coup, on va accélérer. Alors, je vous explique un petit peu comment ça va se passer. Je vais pas être là d'ici quelques temps. Donc, j'essaierai de faire un épisode ou deux d'avance. Enfin, je vais essayer de voir encore. De toute façon, je vous ferai une vidéo. Une vidéo dédiée pour vous expliquer un petit peu le quoi qu'est-ce de comment ça va se passer. C'est super pas français ce que j'ai dit, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà. Donc du coup, après avoir chopé deux diamants, une clé et un boss, nous allons nous arrêter là-dessus pour ce quatrième épisode. Donc je vous dis ciao et à la prochaine.